Comment une morte? Une morte, oui, une femme. T'entends ça? C'est un accident. Je vous prie de m'excuser, je vais être obligé de faire fouiller votre maison. Ah non, ici, c'est chez moi. La justice doit s'exercer, soit, mais jusqu'à quel point peut-on persécuter les gens? Qu'est-ce qu'il a fait, Louis? Alors, Louis? Bah, j'étais chez Rico. Alors, t'as encore menti, Louis? Ouais. Les photos ont été faites? Oui, mon capitaine. Elle était belle, n'est-ce pas? Je n'ai pas tué cette femme, monsieur le juge. Je n'ai jamais tué personne. Qu'est-ce que t'as fait, Paul? Vous n'avez pas entendu crier cette nuit? Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait! Désolé, Rose. Je ne peux rien vous dire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça passe. Ben alors, reviens à la ferme. Mais la ferme, je m'en fous. Je suis pas une paysanne, moi. Je suis pas un paysan, moi, tu comprends? Tout le monde a peut-être pas envie d'être paysan. Gosse boit, ma femme a besoin d'argent. Mais ce serait un hasard extraordinaire. Qui c'est, l'eau, hein? Tu me fais peur. Monsieur l'inspecteur, l'enquête n'a rien donné quant aux fréquentations de la victime. Le mari a un alibi parfait. Et je ne vois pas très bien un rôdeur se promenant la nuit dans ce chemin, désert, et sous la neige de surcroît. Bonjour. Si vous vous trompez, c'est grave. Oui. Eh ben, maman, y a pas de voleur ici. C'est pas vrai! Tu parlais même d'aller passer 8 jours en Suisse! Salope! Vous savez, je ne crois pas que vous mentiez. C'est pas bien dans mes habitudes, monsieur le juge.